Bonjour et bienvenue dans les Landes. Je crois que c'est la première fois que Micheline, vous et moi, on traverse les Landes pour nos petits carnets. Alors pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas très branchés géographie, les Landes sont un département qui est situé entre le nord de la Gironde et les confins du Pays Basque, un petit peu avant l'Espagne. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh bien, il est principalement recouvert de forêts. 70% du territoire, la forêt régionale des Landes, qui est la plus grande d'Europe. Mais au départ, c'était une terre plutôt marécageuse, insalubre et inculte. Et depuis peu, l'homme a réussi à la rendre prospère et soignée. Je vous raconterai l'histoire un peu plus tard. Mais ce qui me frappe surtout dans cette région, c'est la variété des paysages. Parce qu'on va passer d'un territoire plat, évidemment, cette fameuse forêt recouverte de pins, à au contraire des vallées qui sont généreuses, verdoyantes, la Chalosse, le Tursan, la vallée de l'Adour, le Bas Armagnac, où l'on produit les meilleures volailles, bien sûr, de délicieux foie gras, mais aussi, et c'est plus surprenant, des kiwis en quantité, des espadrilles comme autrefois, des chaises avec le bois des forêts. Mais il y a de l'eau aussi et beaucoup d'eau, et on y pêche notamment la lauze, qui est un poisson méconnu, délicieux, savoureux, mais qu'il faut savoir cuisiner. Et enfin, on s'en verra un petit pastis entre filles. Mais pour mériter tout ça, eh ben, il faut ramer. Je ne suis pas ici par hasard, devant rejoindre André Labadie, dit Dédé, aux abords du lac de Léon, l'un des plus grands des Landes, très prisé par les pêcheurs et en partie classé réserve naturelle. Dédé, pêcheur et batelier dès l'âge de 14 ans, est encore aujourd'hui président du syndicat des bateliers. Autant dire qu'il est un peu l'âme du lac. Bonjour messieurs. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour Julie. Est-ce que vous seriez l'incontournable Dédé? Mais oui, paraît-il. Bah, je suis ravie de vous rencontrer, Julie. Oui. Bonjour. Bonjour. Bon, oh, vous avez des poignes ici, hein? Ah, mais ils sont de l'année, quand même. Vous êtes landais. C'est ça, les landais, c'est des bûcherons, quoi, au départ. Comme dit le proverbe, l'année, c'est café tout. L'année, tête et tout. Et alors, ça veut dire quoi? Ah, connaît l'année, vraiment. Vous êtes landais de partout, quoi. D'accord. Voilà. Et vous aussi, vous êtes landais de partout? Je suis, oui, je suis landais. Et vous, vous êtes surtout? Je suis donc le conservateur de la réserve naturelle du Courant Bûcher. Voilà, qui était, donc vous faites partie des personnes chargées de la protection de cette réserve naturelle. Tout à fait, donc c'est une réserve d'État qui a été classée en 1981. On est les garants de la préservation du site. Mais ça veut dire que moi, si je viens sans connaître un batelier, sans vous connaître, je n'ai pas le droit de prendre une barque et d'aller sur le lac? Ah, sur le lac, oui. Sur le lac, oui. Sur le Courant Bûcher, non? Ah, c'est ça. Parce que le lac est donc relié à l'océan par le Courant Bûcher. Oui. Et là, on n'a plus le droit de naviguer. Non, la navigation est seulement autorisée pour les bateliers qui interviennent dans la réserve. Voilà. Et ça, c'est une nouveauté. Oui. Et Dédé, vous m'emmenez voir un peu l'océan, les espèces et tout ça? Eh bien oui, tu sais nager. Ah, je sais nager? Oui, je sais pas. Je t'avoue. Tu me montras sur mon dos. Il y a des tortues, alors je peux bien faire la tortue dans le lac. Bon, c'est bien. Manège, tu pourras faire remuer le bateau. Allez. Bonjour. Votre prénom, c'est? Manège. C'est mon surnom. Manège. Bah François, alors on vous laisse sur le rivage? Allez, je vous laisse dans les mains de Dédé et de Manège. Et bah à tout à l'heure alors. Allez, enfin, je vais. Au revoir. Allez, bonne embarque. Allez. Je me mets là? On est aux dames. Dédé, faut qu'on rame alors? Oh non, c'est Manège qui va ramer. Ah bon, ça c'est le privilège de l'âge. Ah hein. Oui. Naviguer en galupe sur le lac Léon donne à découvrir un spectacle unique. De par sa géographie, puisqu'il est relié à l'océan Atlantique par un fleuve côtier, le Courant Bûcher, qui traverse le cordon dunaire, la forêt landaise, les marais et les tourbières. Qu'est-ce que c'est cette végétation à gauche, là? Ce sont des nénuphars jaunes. Ah, c'est joli, dis donc. Oui. Bon, ils sont délicatement posés sur la surface de l'eau. Oui. J'ai connu le temps où ici, pour passer, il fallait se faire un chemin entre les nénuphars. On dit de ce courant et de ses rives qu'ils furent classés parmi les monuments naturels et les sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque dès 1934. C'est fou à quel point c'est sauvage. On a l'impression d'être en Amazonie. Ah oui, c'est sauvage, c'est sûr. Et je pourrais te conduire, je sais pas, dans tous les pays du monde. Déjà l'Amérique? Déjà l'Amérique. Hein? Avec notre petite barque, on serait mignon là, sur notre bouchon. Eh, si tu veux qu'on essaye. Moi, je suis certain. Moi, je suis pas contre. Tu sais, je suis une aventurière, moi aussi. Hein. Donc, toute cette balade qu'on fait sans voir
un homme, une trace de civilisation et a fortiori un immeuble ou un hôtel thermal, c'est grâce à toi un peu. Grâce à moi, grâce au maire de l'époque. Bonjour monsieur. Ça va? Qu'est-ce que vous espérez pêcher? Des brochets, des cendres. Mais vous n'avez pas l'air malheureux là, hein? Non, on est bien. Ah, si tu parles. Tu vois, voilà. Si on me demandait une image d'Épinal du bonheur, ben ça, ce serait pas mal, hein. Regarde. Je te le dis encore, même si on ne peut pas repartir en bateau faire le tour du monde, tu peux venir habiter là avec moi. Mais attends, le bonheur, il n'est pas au bout du monde, hein. Je suis bien placée pour le dire. Eh oui. Tu m'emmènes où, là? Il est temps que tu t'inquiètes de savoir où je t'emmène. Ah non, avec toi, je suis en confiance. Je m'inquiète pas. C'est bien. C'est ma cabane au courant du Chili. Cabane au courant du Chais. Elle date de quelle époque, cette cabane? Oula. Ah oui, quand même, on est arrivé. 1900. Hein? À l'ouverture du courant, quoi. Oui, à peu près. Allez, on y va? Oui. Là. Une cabane dont il a la jouissance, le propriétaire la lui a cédée en reconnaissance à tous les efforts fournis pour la préservation du site. Il en dispose alors pour ses parties de pêche et ses réunions familiales ou amicales. Ouh là là, on sent qu'il y a eu du vécu, hein. C'est une cabane de pêche, quoi. Une cabane de pêche. Donc là, tu vas pouvoir me faire oui. Des anguilles. Pêché hier, une partie. Ah, c'est toi qui les as pêchées? Oui, bien sûr, c'est moi. Alors, graisse de canard. Ah, l'anguille à la graisse de canard, je ne connaissais pas oui. Ça. Oui. Je te donne les poissons? Oui. Hop là, tiens. Voilà. Alors là, tu les fais rissoler et après, tu rajoutes la persillade. Oui, après. Ah, tu me fais plaisir, hein, j'adore ça, moi. Voilà, là, ça va être cuit. Mettre ça là-bas. T'en remets un peu? Oula, oula, oula. Tout doux sur l'ail quand même, hein? Ah, ça y est. Ah bah non, mais j'adore ça, mais bon, il y a un moment où ça peut reprocher, hein? Allez, on se l'attaque comme ça. Oh, oui. Et tu sais que là, tu me fais vraiment un beau cadeau. J'adore l'anguille. Je vais passer ça, allez. Ah. Tiens. Et c'est pas mal avec la graisse de canard. Ça donne un côté un peu viande, un peu terre-mer. Non, moi, mais pas trop pour moi. J'aurais envie de dire quelque chose, mais je ne le dirai pas. Vas-y, non. Dis-le. Non. Écoute, en tout cas, c'est super bon. Un peu salé, mais c'est super bon. Bon, c'est bien joli tout ça, mais je ne sais pas où on est. On est perdu au milieu de la forêt. Mais il va falloir que je retrouve Micheline, que je retrouve la route. Et on va prendre la direction de Port-de-Lanne pour aller cuisiner la lauze. Tu connais la lauze aussi, hein? Ah ben, bien sûr. Mmh. Oh là là, mon dédé, mais... Je vais plus manger pendant deux jours avec tout ça. Hein. Notre première recette, elle est très emblématique. Il s'agit d'un poisson qu'on pêche dans la Dour, qui est un long fleuve de 300 km, qu'on oublie un peu d'ailleurs en dehors du sud-ouest, mais qui ici a une grande place dans le cœur des Landais. Et ce poisson aussi, c'est un poisson migrateur qui vit en mer et qui remonte le cours des rivières pour aller frayer, pour aller pondre, et puis ensuite pour aller mourir, ainsi va la nature. Mais c'est un poisson absolument délicieux, les Landais en sont friands. Le seul problème, c'est qu'il est truffé d'arêtes. Mais heureusement, Super Juju est là pour essayer de sauvegarder ses recettes d'autrefois. Et pour ça, on va donner la parole à Lucienne. Je crois qu'elle a des choses à dire. Bonjour Lucienne. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Ça va bien? Bon, ça c'est mon fils. Voilà. J'avais deviné. Hein. Il y a un petit air de famille. Voilà, tout bonjour. À fait. Bonjour. Et votre prénom c'est? Jean-Michel. Et on entre par la cuisine. Voilà, tout à fait. On entre par la cuisine. Eh oui, comme souvent, voilà. C'était la pièce principale des maisons. Hein. Et nous, alors, on attaque la lauze. On y va alors. Eh bien, voilà. Ah, on écaille. Alors, moi, la lauze, je vais vous dire, j'en avais déjà entendu parler parce que je connais un petit peu la région, même si je suis plus au nord. Ouais. Mais essentiellement, grillée sur des sarments de vigne. Eh bien, oui. Vous le faites comme grillée. Ça ici. Oui. Ou alors, ça se fait à l'oseille.
Alors ça, je n'ai jamais fait. Ah bon? Ah non. Ah, moi, j'ai toujours entendu parler de la lauze à l'oseille. Et vous savez ce qu'on m'a dit? On m'a dit que, alors soi-disant, l'oseille qui est acide a la propriété de dissoudre les arêtes. Et c'est pour ça qu'on la cuisine à l'oseille. On le dit. On ne l'a jamais confirmé. Le poisson écaillé, il est alors rincé avant d'être vidé, alors que moi, je suis toujours spectatrice. Lucienne ne semble pas avoir pour habitude de déléguer. Il ne faut pas faire de trous. Avant qu'enfin une tâche me soit attribuée, mettre un oignon déjà émincé par Lucienne à revenir dans de l'huile. Une gousse d'ail, elle aussi finement coupée, est ajoutée, le tout laissé à fondre à couvert. D'ailleurs, moi aussi, il vaudrait mieux que je me couvre d'un tablier. Là, je coupe là, d'abord. Bon, moi j'ai une mission, c'est pas faire brûler l'oignon, donc j'essaye de surveiller quand même. Hein. Voilà. Voilà, tout ça, on l'enlève pas. Hein. Parce qu'on va cuisiner avec la tête, bien sûr. Et on met la tête dans le... Et oui, voilà. Ça donne le goût. Mais je coupe un bout de queue. D'accord. Voilà. Ah oui, on voit que c'est une chair rouge, hein, comme le thon presque. Oui. Alors après, vous voyez le bout de l'aileron, là? Oui. On coupe juste avant les petites nageoires ventrales. Alors en fait, vous coupez le poisson en darnes. Voilà. Une darne de quoi, 4-5 cm hein, quasiment, non? Et après, ça diminue beaucoup la cuisson. Voilà. Vous voulez que je fasse la même chose de ce côté-là? Oui, si vous voulez. Hop, allez. Il y a déjà des arêtes, il ne va pas y avoir des cheveux en plus dans le poisson. Hein. C'est pas bien s'il y a des cheveux. Vous allez aller sur la marmite, là, ouais. Et vous allez gratter ça, comme ça, avec le couteau. Bon, je vais vous montrer d'abord. Non, mais je vous écoute, mais je suis étonnée. Pourquoi vous le coupez parce que je, parce que Parce que je le coupe. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Je vous l'avais dit, il ne faut pas demander explication. Alors, vous me mettez ça presque jusqu'au cœur. Et en fait, oui, ça va fondre plus facilement. Voilà. Moi, j'ai toujours vu faire comme ça. Ah bon? Qui est-ce qui faisait? C'était votre maman? Ma grand-mère d'abord. Après, ma grand-mère a appris à ma mère. D'accord. Le cœur de la carotte est également mis à cuire, mais sera enlevé au moment de la dégustation. Ne me demandez pas pourquoi, Lucienne a toujours fait ainsi. Puis nous ajoutons généreusement du vin blanc. Nous ajoutons ensuite de l'eau, tant pour tant, soit un litre total. Voilà, bon, on recouvre. Ouais. Et on laisse bouillir. On laisse bouillir. Quelques minutes suffiront. Nous pouvons alors ajouter nos darnes de poisson. Et là, du coup, on va laisser cuire combien de temps? Là, il est comme ça, pour 2 jours et demi, sur le feu, sans jamais bouillir. Vous faites cuire 2 jours et demi? Oui. Sérieux? Sérieux? Vous laissez cuire sur le feu pendant 2 jours et demi? Pendant 2 jours et demi. Qu'est-ce que ça donne à l'arrivée? Eh bien, ça donne de la lauze cuite. Si vous la mangez demain, ouais. En supposant que vous allez avoir autant d'arêtes. Ah, vous voulez dire que c'est la très très longue cuisson progressive et toute douce qui va dissoudre les arêtes? Ça dissout les arêtes. Mais Lucienne, ça a l'air super tout ça, mais le problème c'est qu'on va pouvoir le goûter au banquet, ça c'est oui, parfait. Oui, voilà. Mais aujourd'hui on ne peut pas le goûter alors. J'en ai eu de fête. Ah, c'est gentil, vous en aviez fait une voilà. 2 jours avant pour, en sachant voilà. que vous venez. Voilà. Oh là là. Donc là je vais pouvoir goûter la lauze de 48 heures. Là. Voilà, la lauze de 48 heures, comme ça vous allez voir les arêtes comment elles sont. Ah ben ça, j'ai hâte de goûter. Bon, en attendant que la lauze de 48 heures réchauffe, j'en profite pour prendre en note la recette. Pour transformer une alose agrémentée de pruneaux comme Lucienne, nous aurons besoin d'une alose de 2,3 kg environ, écaillée et vidée par les ouïes, de 750 g de pruneaux dénoyautés, ajoutés 4 à 5 heures avant de servir, de 50 cl de vin blanc moelleux type Jurançon, de 2 carottes, d'un oignon, d'un peu d'ail, de 2 cuillères à soupe d'huile et d'un petit bouquet garni composé de thym, de persil et de laurier. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est mon épouse. Ah, la belle fille. Bonjour. Oh là là, alors attendez, je voudrais voir ce que ça donne. Ah oui! Donc là, voilà, il y a 48 heures de cuisson. 48 heures de cuisson. On dirait qu'il est caramélisé. C'est fou. Oh là là, est-ce que ça sent bon? Ah oui, là, c'est opération délicate, là. Hein. C'est pour moi? Allez. Bien sûr. Ah, c'est le morceau de choix, c'est ça? Voilà. J'ai compris que le morceau avec les 2 petites nageoires, là,
C'était la pièce du boucher. Il faut goûter de suite. Il faut goûter de suite. Merci. Alors là, je vois les arêtes. Ah non, vous avez raison. Non, c'est vrai, il suffit d'appuyer dessus et en fait, il n'y a rien. Elles se délitent. Elles sont fondues. C'est incroyable. Mais ce qui est fou, c'est que je les vois. Mais effectivement, elles n'ont plus de consistance, quoi. Elles se cassent. Non. Et en fait, on les mange. Ah oui, oui. Faut les manger sans souci, là. Alors, c'est très étonnant parce que ça a presque la texture du thon en conserve un petit peu. Oui, oui, oui. Il y a une petite acidité du vin, un côté effectivement un petit peu doux du fruit. Oui. Mais c'est vraiment délicieux. Hein. Mais honnêtement, vous savez quoi? J'aurais goûté les yeux fermés, sans avoir fait la recette, sans savoir ce que c'est. J'aurais été incapable de dire ce que c'était. Alors, parce que j'aurais dit du veau, peut-être. Parce que c'est une chair qui est presque de la viande, hein. Là, je suis d'accord. Hein. On est d'accord. Alors, vous savez, dans cette émission, j'en ai découvert des trucs. Mais alors là, franchement, c'est loin de tout ce que je connaissais. Comme quoi. Et j'ai toujours pensé que l'exotisme était à notre porte, hein. Oui. Lucienne, dans 48 heures, il va y avoir une halos cuite. Oui. On est d'accord. Donc, dans 48 heures, vous pouvez venir célébrer les traditions culinaires landaises avec nous, avec votre halos. C'est ce qu'on a dit. Et ben voilà. Et ça va se passer à Souston, c'est pas très loin. Non. Et quelque chose me dit que même les Landais vont être surpris par ce plat. La douceur du climat océanique des Landes permet la culture, parfois de produits un peu exotiques, comme le kiwi. Et nous, on va rencontrer l'un de ses producteurs et il va nous raconter en quoi consiste la kiwiculture landaise. Je vous avais dit que la région nous réservait des surprises. Et c'est pas la dernière. Le kiwi de l'Adour est le seul à bénéficier de la double certification Label Rouge depuis 1992 et IGP, Indication Géographique Protégée depuis 2009, garantissant ainsi aux consommateurs une origine de production et de conditionnement. Ils sont aujourd'hui environ 400 producteurs dans le pays de l'Adour et commercialisent 20 000 tonnes de fruits par an, soit un quart de la production nationale. Arrivé dans les vergers de Saint-Lon-les-Mines, je retrouve Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour. Attention les filles. Ouais, je vois ça. Bonjour Julie. Salut. Bonjour. Alors, c'est étonnant qu'il y ait autant de kiwis dans la région. Parce que c'est un arbre qui, au départ, n'est pas, j'imagine, endémique de nos régions. Du tout. C'est un arbre qui est originaire de Chine. Et puis, début du siècle dernier, ce sont les Néo-Zélandais qui l'ont ramené chez eux, qui l'ont baptisé kiwi, qui trouvaient ça marrant pour la commercialisation, parce que ça ressemble à leur oiseau. On enlève le bec, les pattes. Le kiwi, ça ressemble à... D'accord, c'est vide, là. Et puis, donc, il y a 45 ans, il y a un ingénieur agronome de la région qui est parti en Nouvelle-Zélande et qui s'est dit que cet arbre-là pourrait très, très, très bien s'adapter à l'environnement du sud-ouest de la France. Alors, la plante, elle est là? La plante, c'est elle. Alors là, on a la fleur. Donc, elles sont en train de s'ouvrir parce qu'on est à quelques jours de la pollinisation. D'accord. Il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Donc, ici, on est sous un mâle qui va polliniser les 4 ou 5 pieds femelles qu'il y a autour. D'accord. Voilà. Grâce à qui? Les abeilles? Pas que les abeilles. Non. Le vent. Ouais. Et aussi des bourdons. Des bourdons? Oui. Ah oui. Des bourdons que l'on vient poser justement là. Ah, vous les posez vous-même? Oui, on les pose nous-mêmes. Mais pas avec nos petits doigts quand même. Non, on a des ruches. Non. Mais bon là, je les dresse pour qu'ils pollinisent mon verger. D'accord. Alors on va pas pouvoir le goûter? Mais si, j'en ai. Waouh! Alors dis-moi, tu m'as dit qu'ils apparaissaient au printemps, mais tu les cueilles à quelle époque, les kiwis? Autour du 10 novembre. Ah, aussi tard que ça? Oui, on les récolte le plus tard possible. On les laisse monter en sucre, mais on a aussi besoin de froid. C'est non pas la chaleur qui fait monter le kiwi en sucre, mais c'est le froid. C'est le contraste entre les deux. Voilà. Et donc, c'est un petit peu la particularité, pour pas dire la grosse particularité de la région, ce qui permet d'avoir un kiwi très sucré. Très sucré, pas trop acide. Voilà. Alors... Donc ça, c'est la récolte de l'année dernière? Ça, c'est la récolte de l'année dernière.
Non, pourquoi? C'est des kiwis que j'ai fait venir de Nouvelle-Zélande. Non, 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 c'est la récolte de l'année dernière. Ah, je t'ai charré. Donc en fait... Ça, c'est mes potes, c'est mes bourdons. Ah, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oula, et tu vas les lâcher? Ouais, on va les lâcher après. Je vais vous laisser faire. Ouais, j'allais dire tu peux me tutoyer, mais en même temps, c'était pas la priorité du moment. T'es sûr qu'il faut que je fasse ça, moi? Oui, c'est très simple. Moi, je peux rester en train de manger les kiwis dans la voiture aussi, tu vois, chacun son rôle. Tu me l'ouvres, celui de chez nous? Allez, c'est parti. Le petit oiseau va sortir. Bon, je mets pas. Voilà. Merci, petite rondelle. Ah, il est vachement bon. Ah oui, là. Il est bon, hein? Top. Il est absolument pas farineux. Il est acide un petit peu parce qu'il en faut. Mais juste acidulé comme il faut. Bien sucré, mais pas trop non plus. Ah, je redécouvre le kiwi, moi. C'est hyper riche en vitamine C, le kiwi. Hein. Un kiwi de 100 grammes, c'est 3 oranges de 200 grammes en vitamine C. Non. Ah bah là, ça va aller mieux après ça. Un seul kiwi par jour, c'est bon. Non, je ne savais pas. On parle toujours de l'orange, mais... Ouais. Bon, on va lâcher les fauves, là. On y va. Allez. Alors là, en fait, il faut se positionner comment? J'imagine pas juste devant l'ouverture, hein? C'est où ton ouverture? C'est le petit bouchon de blanc, là. Ah oui, le petit bouchon, la petite tirette. Et après, faut partir en courant, c'est comme les pétards? Non, on va s'éloigner tout tranquillement. Tout doux, l'air de rien, comme si... L'air de rien, et puis on va les regarder sortir, s'ils veulent bien. Ok, on met pas le masque de cosmonaute et tout, non? Non, c'est pas des abeilles, non. Ça pique pas? Bah, si, ça doit piquer un bourdon, mais bon, c'est des gros pépères. Ah bon? Tu le fais? Non. Non, c'est moi. Allez, go. Allez, hop, ça sort. On recule tranquillement. Ah oui, ils sortent pépères, hein? Ah ouais, c'est des pépères. Tous les soirs, ils rentrent. Je vais me fermer. Non, c'est pas vrai, je le souviens. Non, ils rentrent tous les soirs. Non, mais c'est vrai. Après, on les laisse. Oui, oui, ils rentrent tous les soirs. Bon, hein. Ah ouais, oui. Moi, je pensais que tu les lâchais et qu'on les voyait plus. Ah non, c'est une ruche. Ah bon? Ah, oui, c'est une ruche portative. C'est leur maison, c'est une ruche portative. Ouais. Ah oui, là, ça commence à sortir, là. Hein. Ouais. Bon, bah écoute, je crois que j'ai bien compris le système. Hein. Oui. Moi, je vais y aller. D'accord. De toute façon, il est temps d'y aller. Bon, toi aussi, tu vas. Bon, bah, je repars avec toi au camion. T'oublies pas Souston, hein, tu viens avec tes kiwis. Promis. Merci, Hervé. Une nouvelle journée débute pour moi et pour les amoureux des déferlantes, parce qu'ici, le sport national, après le rugby, c'est le surf, bien sûr. Une aventure étroitement liée aux Landes, où les vagues y ont séduit les premiers surfeurs dès les années 50. L'absence de plateau continental permet à la houle de venir se briser avec toute sa puissance. Et justement, Vieux-Boucau est l'un des plus beaux spots de surf de la région. Moi, je passe mon tour, plus à l'aise sur les quatre roues de Micheline que sur mes deux pieds sur l'eau. Et je continue ma route pour filer découvrir une nouvelle recette. Et aussi une fierté landaise. Je vous propose de vous emmener dans un joli village qui s'appelle Herm, situé à une vingtaine de kilomètres de la côte, au nord de la Dour. Et à Herm, nous attend Valérie. Valérie, elle m'a proposé de m'initier à la tradition du pastis landais. Le pastis, c'est un dessert, ou plus généralement une pâtisserie d'ailleurs, parce que je suis pas sûre que ça ne se mange qu'en dessert, qui est très répandu dans les Landes, qui s'était un peu perdu à une époque. Maintenant, on en trouve en version industrielle, mais elle le fait à la maison, comme autrefois. Et autrefois, on le préparait à plusieurs. Donc, quelque chose me dit qu'elle sera entourée, probablement de filles, parce que, contrairement à la Provence, le pastis, ici, c'est une affaire de filles. Cette brioche locale était autrefois réservée pour les célébrations familiales, mariages, communions et fêtes de village, et servie alors pour l'occasion avec de la crème anglaise. Allons voir tout cela de plus près. Elle est jolie, cette maison. C'est un peu la landaise moderne. Bonjour, bonjour Valérie. Déjà en tablier? Oui, prête. Alors, je rentre? Allez.
Merci. Bonjour, bonjour. Ah, il y a du monde alors. Par bonjour, exemple, Julie. À plusieurs. Bonjour. Oui. Moi, Annie. Je suis Annie. Oui. Ah, d'accord. Et bonjour. Alors, oui, vous êtes Raymond. La cousine Anne. Ah, la cousine, d'accord. Voilà. Et vous êtes le prof. Voilà. Maître Raymond. Bon, alors, ah, vous avez commencé déjà à tout... tout préparer, bien tout sûr. Tout préparer. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Ben, d'abord, on tamise la farine. On tamise la farine. Voilà. D'accord. Alors, moi, je vais peut-être mettre un tablier, hein. Bon, donc, moi, je fais le levain. Ouais, alors, donc, en fait, c'est un gâteau qui contient du levain. Et c'est pas de la levure chimique, comme pour les gâteaux. Non, 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 non. Ah ouais. Voilà, donc, je fais... Ça a toujours été comme ça. Oui. Donc là, c'est de la levure fraîche. Et donc vous l'émiettez, vous ne le diluez pas avec de l'eau, hein? Si, maintenant j'émiette d'abord et je. Mais d'abord, vous mettez de la farine quand même. Oui. Donc on peut casser les œufs pendant ce temps. Donc la moitié des œufs doivent être mis entiers. Et les autres, seulement les jaunes. Les jaunes pour avoir la belle couleur. Voilà. Et on garde les blancs parce qu'il y a des blancs en neige aussi dedans. Ah, d'accord. OK. Donc combien je mets d'entiers? Tout cela, tu peux les mettre entiers. Ah, tout cela. Ah oui, d'accord. Et cela, je vais séparer. Qu'est-ce que je fais avec le sucre vanillé? Combien tu mets de sachets? Tout ce qui est là, 12. Ah, quand même? Oui. Ah oui, d'accord. Alors là, on fait quoi? On rajoute le sucre? Le sucre. Le sucre, on met un petit peu de tout sel, un peu de comme sel. D'habitude. Dans les blancs dans les et pêches. Aussi dans les œufs ouais. entiers. La vanille. Ah, la vanille. Ah, tu mets tout ça là? Oui, non, la moitié. La moitié de ça? Oui, la moitié. Alors la oui. moitié de oui, ça, oui. ça fait 125 millilitres. OK, ça fait à peu près 60. Et donc après, il faut que tu mettes encore un peu. Vous aimez les épices? C'était les navigateurs qui rapportaient le rhum et la vanille hein, à l'époque. Ouais. Ils repartaient avec les cales chargées d'alcool. Maintenant, ne nous perdons pas en conjectures historiques. On est dans le pastis, Juju, hein. Allez, on y va, je tourne. Bon. Je suis un peu la bizutée du groupe, moi, finalement, c'est ça, hein? Oui. Premier pastis, tu mettras les doigts. Nous ajoutons le rhum. En général, il faut compter un verre de rhum par kilo de pâte, puis je continue à patouiller avec mes mimines. Ce serait pas quand même un peu plus pratique de prendre un fouet? C'est pas que ça m'amuse pas, hein, mais... Ben, certains le font au fouet, mais là, tu le fais de façon traditionnelle. Oui, mais on remet ça après. Le beurre. Ah oui. Ah oui, quand même. Il est chaud, c'est pas grave, hein. Ouais. Peu importe. Ah. Il vaut mieux qu'il soit fondu, c'est trop chaud. On l'a laissé. Ah bah c'est bizutage, c'est bizutage. On m'avait pas dit, hein. C'est sympa en même temps, là, ça se réchauffe. J'ai l'impression d'avoir mis de l'eau chaude dans mon bain. Soulagée par la modernité, Annie se charge de monter les blancs en neige au batteur pendant que je continue à mélanger, ajoutant progressivement la farine, toujours à la main. Le bizutage n'est pas terminé. La cuillère en bois, non, ça vous tombe pas? Non plus. Non, non, c'est la main. C'est la main. Ah, c'est la main. C'est la main. Ah, on va pouvoir intégrer les blancs d'œufs? Le levain avant. D'accord, ouais. Il y a un an. Je mélange? Oui. Oui. Allez, c'est parti. Avant de mettre le levain, vous ne voulez pas mettre toute la farine? Ça oui. s'intégrerait moins bien. On ne sait pas, c'est comme ça. C'est comme ça. J'adore ces recettes traditionnelles qui se transmettent oralement, de génération en génération, de siècle en siècle. Voilà. Et un jour, il y a quelqu'un qui a fait un truc comme ça par hasard, ouais, et depuis, tout le monde fait pareil en se disant si je ne le fais pas, ça ne va pas marcher. Parce que si on le fait, c'est qu'il y a sûrement une raison. Alors, je continue, là, ou on met les blancs? J'y vais? Je mets tous les blancs d'un coup? Oui. Puis après, hop. Tu mélanges... Et je mélange. Doucement, quoi. Hein? Ah, je fais ce que je peux, là, si tu veux. Oui. Et là, on va en faire combien de pastis? Une dizaine. Mais d'habitude, on en fait plus, quoi. Une vingtaine de pastis. Bah oui, tant qu'à faire. Le four, il chauffe pareil. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Encore faut-il avoir le bras, quoi. Ah, vous m'arrêtez, hein? Mais c'est pas fini. Ah bon? C'est dommage. Tu vas te concentrer quelques minutes et après, il faut la battre. C'est-à-dire? Tu la tapes. Pour la claquer. Tu la claques. Tu la claques. Vas-y, monte. Alors. Ah oui, quand même. Ça, c'est pour faire quoi? C'est pour la souffrir. L'aérer. Voilà. Ah oui. À toi. Alors, attends, je vais y aller. Et tu la bats pendant combien de temps? Au moins 5 minutes. 5 minutes. Ah oui. Julie, on va lui faire faire 10 minutes. Il faut lui chercher. Mais qu'est-ce que je vous ai fait, moi?
Je suis venue en amie. Eh ben moi, je propose que ce soit fini. Hein ? Enfin, une petite pause pour noter la recette pendant que la pâte pousse. Pour façonner des pastis comme Annie, Valérie et Suzanne, pour 3 pastis, chacun étant pour 8 personnes, il faudra 1 kg de farine, 300 g de beurre, 12 œufs, 300 g de sucre, 40 g de levure de boulanger, 4 sachets de sucre vanillé, 15 cl de rhum ambré, 30 ml d'extrait de vanille ou 4 gousses grattées et une grosse pincée de sel. Et comme le disait Annie, nous lançons le feu aux aiguilles de pin, un parfait combustible issu des forêts landaises, dans le four à bois. Mais bien sûr, une cuisson dans un four ménager est parfaitement envisageable. Puis retour à nos pastis, en répartissant la pâte qui a levé dans les moules, à la main s'il vous plaît, pas de raison que ça change. Ensuite, il faut presser. On presse. Après, voilà, comme si on essorait. Ah, il y a un geste traditionnel. Quoi. C'est plus facile. Ah ouais. Voilà. Ah, faut aimer patouiller, hein. Et Raymond, vous voulez pas mettre les mains, vous, ah, hein. Ah non, non. Ça va. Ah non, ça vous a donné. C'est ça. Allez, on y va. Et j'espère que vous avez des copains et de la famille, hein, quand même, parce que là, il y a... Mais ça se mange très facilement. Oui, j'imagine. Même au petit déjeuner. Ah oui, oui, surtout. 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 Pardon. Alors, ça se passe là. Hop. Vous avez une idée de la température, là? 150 degrés. Ah oui, il ne faut pas qu'il soit trop chaud, alors. Non. D'où les aiguilles, plutôt que voilà, du bois. Voilà. Ou des... D'accord. Alors, je vais les pousser. Attends. Ouais. Et là, on ferme, j'imagine. Ouais. Hop là. Et on laisse cuire combien de temps? 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure à 150. Donc à la maison, oui. C'est chaleur statique, oui. 150, 3 quarts d'heure, oui. Et c'est bon. Et ce que tu dois faire à la maison, c'est baisser un petit peu ton four. Sur la Parce fin? Que là, c'est une chaleur descendante. Et oui. Donc à peu près un quart d'heure après le début, tu baisses un peu. Voilà. Un petit café pour patienter avant de pouvoir enfin goûter au pastis maison. Et quelque chose me dit que cela va me changer de ce que j'ai eu l'occasion de manger jusque-là. Et puis ça sent bon surtout. Eh, quelle jolie table. Tenez, prenez le fauteuil, Raymond. Moi, je vais me mettre là. Ben là, on est bon, là, je pense, quand même. Selon la tradition landaise, c'est 3 pastis par personne, au minimum. Ah, même pas. C'est incroyable. C'est la corne d'abondance. Ah oui. Déjà. Tenez. Oh, vive le monde. Merci. Avec le sucre sur le dessus, là, ça croustille. Mmh. Écoute, ce qui est étonnant, c'est que malgré la quantité de sucre, c'est assez peu sucré. Et tu vois, malgré la quantité de rhum aussi, tu le sens pas trop. T'as raison, non, c'est discret. Voilà. C'est vrai. C'est drôlement bon. C'est drôle parce que c'est entre le 4 quarts, la brioche, la madeleine même, presque. On n'est pas loin de Dax, hein, où on fait des bonnes madeleines. Mais ça ressemble à rien d'autre. Alors habituellement, je voyage dans les régions, je fais des recettes traditionnelles, des recettes ancestrales qui ont presque un peu disparu, comme c'est le cas. Et ensuite, on se retrouve tous autour d'une table pour célébrer justement ces traditions culinaires. Et chacun apporte sa recette. Alors, je ne vais pas vous supplier d'en refaire, parce que je pense que d'ici 2 jours, normalement, il devrait en rester, quoique. Mais si vous pouvez en conserver un et l'apporter... Un seul? Je sais pas, on est une dizaine. Qu'est-ce que tu penses? Non. Ah bah si tu peux en avoir non, moins de 3. Bon, et ben autant que vous voulez. Ce sera au domaine de Millon à Souston. Et ben voilà, on vous attend pour un repas typiquement landais. Avec plaisir. Ouais, c'est gentil. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps. Les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Je sais pas si vous avez remarqué, mais jusque-là, on n'a toujours pas goûté le fameux poulet jaune des Landes. Alors, on va aller rendre visite à Odile, qui est éleveuse du côté de Tartas. Tartas, c'est aux confins de la Chalosse et de la Grande Lande, de la forêt des Landes. Elle va nous en dire plus sur cette volaille d'exception, qui ensuite sera cuisinée par l'une de ses copines, qui s'y connaît en matière de cuisine de volaille. Elle s'appelle Gilou. Et puis, on goûtera tout ça ensemble avec nos copains pendant le banquet. Comme de gentils mégots qui s'enflamment en riant
pour les filles du métro. Le poulet des Landes est le premier label rouge de l'histoire agroalimentaire de France, signe d'extrême qualité, qui lui a été décerné en 1965. Les poulets dits « cou-nus » s'épanouissent dans l'exploitation agricole d'Odile et de son époux depuis 30 ans du côté de Tartas. L'élevage est soumis à un cahier des charges très strict. Les poulets jaunes de 100 jours sont nourris de 80% de maïs, entièrement produit sur l'exploitation. Nous sommes dans mon élevage de poulets label rouge Liberté. Ils ont 10 semaines, ils sont en pleine forme, ils se baladent en plein air, dans la forêt, même ils se cachent plutôt sous les fourrés dans la journée parce qu'ils aiment bien être à l'abri. Le matin, je les ouvre vers 7 heures et c'est comme un lâcher de ballon. Ils démarrent en trombe, ils prennent leurs jambes à leur cou, ils s'en vont dans la prairie qu'il y a là-bas souvent. Et après, ben, je dis moi, c'est presque Club Med parce qu'ils sont dehors à ne rien faire. Leur principal travail, c'est de gratter la terre pour voir ce qu'ils peuvent trouver dedans. Des petites bêtes, des vers de terre. Il y a 12 cabanes où il y a 500 poulets dans chaque cabane. Voilà. Quand c'est les chapons, on en met beaucoup moins. On en met plus que 150 parce qu'ils vivent beaucoup plus longtemps. Ils deviennent plus gros. Et puis c'est les rois, les chapons, donc on les bichonne un peu plus. On ne peut pas faire ça sans aimer ce qu'on fait de toute façon parce que c'est prenant. Il faut quand même y passer pas mal de temps, donc on est obligé d'aimer. Et puis, on est tout content de faire un poulet qui soit, ben, je dirais même heureux, hein, un poulet heureux dans la nature. Bon, je pense qu'on essaye de faire au mieux. Allez, file. Il est temps pour moi aussi de filer pour rejoindre Gilou, une figure de la cuisine landaise, qui va justement cuisiner l'un de ses heureux poulets, selon une vieille recette familiale. Elle m'attend chez Edwige et Michel, propriétaires d'une maison d'hôtes, qui nous accueille pour notre banquet. Avec les pains du bord de l'eau, certains fabriquent des tonneaux. Ils font des portes pour les prisons et des guitares pour leurs chansons. Et moi pour toi, pour ce jour-là, du fond de mon cœur, je devine. Et dans ma tête. Et en parlant de pain, justement, l'histoire de cette forêt des Landes, c'est vraiment l'histoire de la conquête de l'homme sur la nature. C'était des terres marécageuses, sablonneuses, qui étaient quasiment inhabitables. D'où d'ailleurs cette image très emblématique du Landais sur ses échasses. C'était la seule façon de se déplacer et puis aussi de surveiller les troupeaux. Les Landes étaient quasiment vides et vierges, puisque le cordon dunaire, qui représente d'ailleurs la plus longue plage de France, plus de 100 km, qui borde les Landes, reculait chaque année d'à peu près 20 mètres. Vous imaginez, uniquement dû à l'érosion d'ailleurs, parce que l'océan à cet endroit-là frappe la dune d'une façon très forte. Il y a d'ailleurs des tempêtes régulières. Et des ingénieurs, Nicolas Brémontier notamment, a imaginé planter des pins. Sachant que le pin est le seul arbre qui peut prendre racine et qui peut du coup stabiliser la terre dans le sable, le rempart contre l'océan en quelque sorte. Et à partir de là, c'est Napoléon III qui va faire des tentatives sur son terrain. Et il va imposer une loi obligeant les locaux, les résidents, les villageois à planter des pins pour endiguer le recul de la terre, la stabiliser et la rendre cultivable et habitable. Et c'est donc le début de l'ère de prospérité des Landes qui va donner cette magnifique forêt, comme je vous le disais, la plus grande d'Europe. Le cri du vent nous mènera joyeusement vers la grande île. Que voici 10 ans et 3 mois, je réservais pour notre idylle. Je réservais pour notre idylle. Avec les pannes du bord de l'eau, certains fabriquent des tonneaux. Pour des portes pour les prisons, ou des guitares pour leurs chansons. Avec les pannes du bord de l'eau, certains fabriquent des tonneaux. Pour des portes pour les prisons, ou des guitares pour leurs chansons. Avec les pannes du bord de l'eau, certains fabriquent. C'est un beau parc ça. Et une jolie maison. Typique. Allez, on va voir. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour Edwige. Et bonjour Michel. Bonjour Julie. Bienvenue à Millau. Merci. Alors vous êtes les heureux propriétaires de cette magnifique maison. Oui, tout à fait. C'est spectaculaire quand on arrive et qu'on voit ces grands arbres. Le parc est magnifique. Ah, c'est le fruit de plusieurs générations qui ont contribué à faire pousser les arbres. Mais les générations de votre famille? Oui, de la mienne. La nôtre. Ouais, je suis la quatrième ou cinquième génération. Ouais. Ouais. C'est une vraie maison de famille. Absolument. Et notre Gilou alors, où est-elle? Par là-bas. Ben, je crois qu'elle est dans, il y a une deuxième dans cuisine. D'accord. Ah ben la voilà, déjà au travail. Bonjour Gilou. Bonjour Julie. Ouh, les beaux poulets. Eh ben oui, les beaux poulets. Bien jaunes. Ce sont les poulets d'Odile. Les poulets d'Odile, magnifique. Voilà. Bien alors jaune. Ces poulets, vous les cuisinez vous aussi? C'est madame, c'est Edwige qui cuisine, c'est vrai? Oui, mais pas, je ne suis pas une grande cuisinière. Non. J'ai fait appel à Gilou. Ah bah oui, Gilou, elle est célèbre dans toute la région. Voilà.
À ce point. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Bon, c'est gentil de nous avoir prêté votre cuisine. Vous allez pouvoir en profiter, hein. Oui. À mon avis, tout le monde devrait être bien installé ici, je pense. On va vous laisser cuisiner. Ouais. Chacun son truc. Chacun son truc. C'est gentil. Nous, on s'occupe du petit poulet. Merci, merci Michel, merci Edwige. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des morceaux. On fait des morceaux et on ne jette rien. Parce qu'en fait, on va se servir des pattes, on va se servir du cou et on va se servir de la carcasse une fois désossée pour faire un fond avec un bouquet garni, avec un petit peu d'ail et un petit peu de lardon et on va laisser revenir tout ça. Donc, on sort la tête. Ouais. Alors, j'attaque le... Le second. Mais c'est qu'elle avance. Ah, il y a de la compète, hein. Il y a du niveau, là, je peux vous dire. Un travail minutieux. Oui, comment ça met ça ? On va démarrer la cuisson de la carcasse. Voilà. On fait bien dorer la carcasse. D'accord, chef. C'est pas grave si ça colore un peu, si ça accroche un peu. Et on déglacera ça avec du vin blanc. D'accord. Ce sera pas plus mal. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la ventrèche ? De la ventrèche. On les mettra aussi dans le fond. D'accord. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Alors. Plutôt des choses comme ça. Ensuite, on va y mettre un petit peu d'ail dans ce fond aussi. Ouais. Là, tu mets des gousses d'ail entières, hein, c'est ça ? En gros morceaux. Pas la peine de les débiter trop petits. D'accord. En fait, c'est le mot d'ordre pour toute la recette, quoi. Tu veux que je fasse autre chose ? Ah. Ça dépend du moral des troupes, mais il va bien falloir qu'on pleure sur les oignons à un moment ou à l'autre. Allez, je m'y mets. Qu'est-ce que tu veux que je t'en fasse de ton oignon ? On va tous les peler et après on les coupera. Ah, juste peler, d'accord, ça va. Ouais. Un petit peu de piment d'Espelette. Ouais. Ah oui, un petit peu beaucoup même. Hop, hop, hop. Ça commence à bien roussir au fond, donc je vais commencer à mouiller avec un petit peu de vin blanc. Ouais. Donc je vais venir avancer les oignons aussi. Eh ben c'est pas de refus. Eh ben oui, c'est pas de refus, non. Il va fondre quand même l'oignon après. Mm-hmm. Tu voulais pas faire dorer le poulet en attendant ? Si, j'ai mis à chauffer l'huile. Ouais, je m'en occupe. Reste à tes oignons surtout, je voudrais pas te brimer. N'est-ce pas ? Hop là. Ça chante, ça chante soir et matin, je chante sur les chemins. Alors, j'imagine qu'il faut tous les mettre sur une seule couche, c'est ça, hein ? Oui, 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 oui. Côté peau d'abord, bien les saisir. Oui. Qu'elle dort bien, cette peau. T'as pas un tablier par hasard pour moi ? Ah, mais sûrement. Oh, merveilleux ! Merci. Ah bah donc, c'est pas un petit modèle en plus. Hop, le vrai tablier basque. Alors. Alors, le bouquet garni. Ouais. De la mélisse, du serpolet et des feuilles de laurier ficelées. Voilà. Et de la mélisse, tiens, j'aurais pas pensé à mettre de la mélisse. Ça donne quel goût, la mélisse ? C'est citronné. C'est léger sur beaucoup de sauces. C'est assez digestif, je trouve, en fait. Très bien. Le poulet saisi est relevé d'une généreuse pointe de piment d'Espelette, puis réservé, pour alors faire revenir la ventrèche dans les sucs, pendant que Gilou arrose son fond de sauce de coulis de tomates maison, bien sûr. Et est-ce que tu veux que je remette les morceaux ? Oui, on va tout remettre. Allez, hop. Voilà. Et nos petits oignons, alors ? Ah, tu les mets direct comme ça. Maintenant, ils sont évités. D'accord. Voilà. Eh ben dis donc, pour inviter le village. Allez. Et pour qu'il fonde, on va fermer le tout. Le tout va mijoter une heure avec le fond de sauce que nous filtrons. Et voilà. Ben voilà. Pendant que ça mijote, je vais noter la recette sur mon petit carnet. On y va. Pour mitonner un poulet jaune des Landes aux oignons comme Gilou, prévoyez de vous procurer un beau poulet jaune de 2 kg environ, coupé en morceaux, quelques tonnes d'oignons jaunes, ou plus précisément 1 kg, 5 tranches épaisses de ventrèche ou de poitrine roulée et séchée, un bouquet garni avec du serpolet, de la mélisse et du laurier, du persil, une tête d'ail, 30 cl de vin blanc sec, 25 cl de coulis de tomate, les 3/4 d'une cuillère à café de piment d'Espelette,
4 cuillères à soupe d'huile de tournesol ou de graisse de canard et 1 kg de pommes de terre à chair ferme ajoutées à mi-cuisson. Mais pour le moment, allons rejoindre nos hôtes qui nous ont installé une table de fête à l'extérieur. Nous sommes plutôt synchro puisque les copains débarquent déjà. Les premiers d'ailleurs sont nos reines du pastis, Valérie, Raymonde et Annie. Bonjour Annie. Bonjour Julie. Oh, salut Lucienne, bonjour Gaston. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous voulez boire les amis? Ah bah tiens, ah, il arrive à point nommé. Alors bonjour Jean-Charles, je vous présente Jean-Charles qui est, c'est difficile mais je pourrais dire vigneron préhistorique. Mais il va nous en parler tout à l'heure. Le défilé n'est pas terminé puisqu'Hervé, le kiwiculteur, arrive avec ses fruits. La promesse est tenue. Bonjour Odile. Suivi de Pré par Odile, l'éleveuse de poulets des Landes. On a bien travaillé, il me semble, hein, avec Gilou. Mais installez-vous. Vous devriez vous y retrouver. Très bien. Je tenais à ce qu'il y ait un vigneron sur cette terre de vin. Et pas n'importe lequel, puisque Jean-Charles a voulu vinifier ses vignes sauvages comme les hommes préhistoriques. Mais alors du coup, en quoi le travail de la vigne, la vinification, était différent à la préhistoire de ce qu'on fait aujourd'hui ? La vigne sauvage est une vigne dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Alors dans le processus de transformation, il y a quelque chose pour nous qui est fondamental. Pour rester au plus près de ce que les hommes préhistoriques ont pu connaître, la vinification se fait avec les levures indigènes des raisins, c'est-à-dire nous ne rajoutons aucune levure extérieure. D'accord, on fait une fermentation naturelle, quoi. Naturelle, complètement naturelle. C'est vraiment l'expression de la terre. On a l'impression de quelque chose de très brut, en fait. Oui, c'est un rouge râpeux, tannique. Râpeux. Oui, très tannique. Mmh. C'est agréable, je trouve. C'est long en bouche. Je peux vous dire que ça va aller très bien avec la lose, parce qu'il a du corps, il a de la personnalité, et il a du répondant. Et ça, il ne faut pas mettre ça sur un beurre blanc, quoi, par exemple. Oui, non. Oui, ça, oui. Allez, on va la servir, cette alose, justement. Oh là là. Ça te suffit? Merci. Alors, du coup, Annie, elle y va à tâtons. Elle se dit, oula, ici, ils nous servent des poissons qui sont cuits 48 heures, des vins préhistoriques, c'est une expérience. Ils nous prennent pour des cobayes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette vieille recette? Très bon. C'est la première fois que? Que je le mange comme ça, sans nous mettre plein d'arêtes, plein les... Ah oui. Alors finalement, si vous deviez... identifier une recette la plus emblématique des Landes, ce serait quoi? Le panturon. Mais c'était vraiment un plat de pauvres, puisqu'ils récupéraient tout autrefois. Donc ils faisaient ce plat avec les abats de l'agneau. Il y avait le sang et tous les abats, le cœur, le foie et même les poumons. Et des agneaux qui étaient élevés justement dans la forêt. Alors. Ah, dans la forêt, voilà, oui. Oui, bien sûr. Mais ça permettait de désherber, j'imagine aussi, d'entretenir les terrains. Oui, oui. C'est un animal utile, hein? Oui. Mais les terrains sont redevenus très bien. Ah bon, Attention, les filles. C'est notre plat de poulet aux oignons, ou d'oignons au poulet, qui vient maintenant nous régaler. Ah, c'est magnifique. Alors. J'ai compris que la région avait longtemps vécu de ce que vous appelez le gémage, c'est ça? Oui. C'est-à-dire qu'on prélève la résine du pain. Absolument, le pain était l'arbre d'or. L'arbre d'or? Hein, parce que... Il est toujours un peu l'arbre d'or quand même, c'est l'emblème en tout cas. C'est délicieux. La ventrèche donne un goût. Et t'as raison, les oignons sont complètement confits. Ah oui. Oui. Ça paraissait beaucoup, mais ça disparaît bien. Et ton poulet, Gilou, il est sans sas. Hein. Il faut poser 15 jours de congé pour couper les oignons, mais à part ça, c'est assez simple. Mais elle exagère. Alors, en plein milieu des champs, il y a une grande fête rurale. Tout le monde vient manger le poulet à l'oignon. Mais comment vous expliquez que vous, les Landais, vous fassiez autant la fête? Est-ce que c'est lié aussi à la tauromachie? La tauromachie au niveau de la course landaise. Des hommes et des vaches. On dit des vachettes, effectivement, qui traversent les arènes tout en longueur avec un écarteur qui fait des sauts ou des écarts devant la vache. Et il y a plusieurs figures. Donc on est loin de la mise à mort du taureau. Hein. C'est pas, ah, c'est pas, il n'y a pas de mise à mort. Non. Cette habitude de festoyer est peut-être due à l'héritage de nos parents, de nos grands-parents. On se réunissait, soit en famille, soit par quartier. Et on faisait tous les travaux à la ferme. Mais quel lien avec la fête? Et après, forcément, il y avait un bon repas. Ah oui, d'accord. Et oui. Et ça, on l'a gardé. Pardon, Julie. Ah, merci. Un plateau de fromage. On va finir, on repasse en fromage. Alors, ce sont des fromages locaux? Il n'y en a pas tellement. Hein. Après, mais ça, qu'est-ce que c'est? Fromage de vache brûlé. Brûlé? On fait le fromage, et après, au chalumeau, on brûle pour faire la croûte noire. Mais pourquoi?
Pour lui enlever ses poils. Il n'a pas de poils. Mais pour lui donner un petit goût, c'est ça, un petit goût fumé. Oui, oui. Ah, c'est drôle. Et ça, c'est typique landais. Oui, ça, ça, il y en a. Eh ben, tu m'auras vraiment fait découvrir des trucs, toi. Font leur apparition dans la foulée nos douceurs, les fameux pastis, qui s'accompagneront de crème anglaise maison. Table de fête oblige. Et notre concentré de vitamine C avec les kiwis d'anthologie d'Hervé. Il est beau, non? Oui. C'est vrai qu'avec la crème anglaise, c'est délicieux. Hein. Ah ouais, là, tout d'un coup, c'est un vrai dessert. Sinon, c'est vrai que c'est une gourmandise. Eh bien, pour nous, il est temps de rentrer dans nos pénates. On va quitter cette terre d'eau, de forêt, de fêtes aussi, de sourires. On la quitte sous le soleil. J'espère que pendant encore longtemps, on aura des dédés pour nous faire découvrir des petits coins de nature sauvage. On aura des lucioles pour cuisiner le poisson pendant 48 heures, un truc de fou. Et puis surtout que vous serez là encore pour nous suivre dans les prochains voyages. Salut! Ça va faire beaucoup dans ma... T'es sûr? Tu veux pas en mettre plus que 3? Ouais. Là, on est en train de se faire des souvenirs. Enfin, pour moi. Ah oui? Je peux dire que c'est un moment dont je me souviendrai longtemps. Ouais. Moi, c'est pas des souvenirs parce que j'en ai mangé la semaine écoulée avec des amis. Ah ben, je t'en remercie. Mais bon... On peut les garder pour la déco de la table? Ou un porte-couteau? Voilà, c'est ça, un porte-couteau. Hein?